sad, I still wouldn't really home. But last night we built a fire, watched the moonlight kiss her skin. Thought, man, it feels good to be country again. Man, it feels good to be country again. Bonjour tout le monde. Donc, bienvenue à ce vendredi après-midi gris et pluvieux sur la province de Québec. Donc, notre webinaire du 30 avril présenté par le groupe CERES. Mon nom est Dan Bussière, pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, aujourd'hui, on a un webinaire axé sur la partie engraissement vers le terminal avec une petite twist maternité que je vais faire à la fin. Donc, notre commanditaire partenaire vedette aujourd'hui, c'est BIC, la compagnie génétique que la plupart des gens connaissent. Présent au niveau mondial. Donc, merci beaucoup à BIC pour être partenaire pour le webinaire d'aujourd'hui avec le groupe CERES. Donc, aussi, j'en remercie tous les autres partenaires là, qui participent au Big Channel. Vous les avez vus défiler à l'introduction. Donc, merci beaucoup à tous les partenaires qui participent, qui nous appuient dans ce projet-là. Pour le déroulement aujourd'hui, on a trois présentations. On va essayer de passer les questions au fur et à mesure, là, si on a le temps. Vous avez dans le bas de votre écran un bouton Q&A. N'hésitez pas à poser des questions, c'est toujours intéressant de créer un peu d'interaction durant les présentations. Je vais prendre les questions, je vais les poser à la fin de chaque présentation et on reviendra à la fin là, si on a le temps pour des questions qui n'auront pas été répondues au fur et à mesure. La vidéo va être disponible, donc l'enregistrement va être disponible sur Pick Channel à partir de la semaine prochaine pour ceux qui ne peuvent pas l'assister au complet ou ceux qui ne sont pas connectés aujourd'hui. Aussi, on a des prix de présence pour les participants qui assistent jusqu'à la fin. On a des prix de présence, une glacière, couteau Santoku et aussi une carte cadeau de 50 $ qu'on va faire tirer en début de semaine prochaine à tous les participants qui ont assisté aux conférences jusqu'à la fin. Donc, le prochain webinaire aussi, je vous invite, ça va être le 9 juillet, le prochain webinaire français présenté par Demeter Services Vétérinaires. Le sujet va être communiqué un peu plus tard. Et aussi, je vous invite, pour ceux qui ne sont pas sur le Pick Channel ou de vos amis, invitez vos amis, collègues de travail, gens de l'industrie. On a déjà au-dessus de 500 membres sur le Pick Channel, donc je vous invite à vous connecter. Donc, sans plus tarder, on commence aujourd'hui notre première présentation. Monsieur Daniel Godbout. Donc, j'invite Daniel à ouvrir sa caméra pour qu'on y voit, on voit c'est quel genre de bonhomme que c'est. Donc, bienvenue Daniel. Donc, une petite introduction pour Daniel. Daniel est gradué de l'Université Laval en 1985 avec un bac. Daniel a fait une maîtrise qu'il a eue en 1992, donc il a pris 7 ans de faire sa maîtrise. C'est pas si pire que ça. Mais par la suite, Daniel a travaillé de 1985 à 2013 pour la compagnie Génétisport qui appartenait au groupe Breton, responsable génétique, recherche, développement génétique. Daniel était le pionnier du développement de cette compagnie-là dans les années 80-90. Par la suite, à la vente de la compagnie en 2013 à PIC, Daniel a poursuivi avec PIC pour le transfert des gènes et aussi est devenu responsable du service technique pour les comptes PIC au Canada, aussi certains comptes aux États-Unis. Daniel a siégé sur de nombreux comités au niveau national, provincial, en termes de génétique, recherche. Il fait partie du CA du CIPQ depuis 10 ans aussi. Daniel a une expérience au-delà de la génétique. J'ai travaillé avec Daniel et j'ai l'occasion de collaborer avec lui. C'est un gars qui connaît la production porcine, connaît les éleveurs. Donc, c'est au-delà d'un généticien, c'est un gars de production. Beaucoup, beaucoup d'expérience. Donc, Daniel, le plancher est à toi. Daniel va parler de l'importance des lignées terminales. Et puis, si vous avez des questions, je n'ouvre pas. Et Daniel, le plancher est à toi pour ta présentation. Merci beaucoup, Dan, pour ta présentation. Merci, Moussarès, de m'avoir invité à venir présenter aujourd'hui. En fond, aujourd'hui, je vais vous parler de l'importance du verreau terminal. Le verreau terminal est important, ne serait-ce que par l'impact qu'il a au niveau du porc charcutier. Il transmet 50 % de ses gènes au niveau du porc charcutier.
À cet effet-là, juste cet effet-là, c'est très important. Les caractéristiques qui sont en fait transmises par le véroterminal sont essentiellement des caractéristiques de croissance, de conversion alimentaire, mais également de robustesse. Par robustesse, j'entends la mortalité, la prévalence d'anomalies à incidence économique, également la qualité de la semence. Puis au final, tout ce qui a rapport à la carcasse, que ce soit le rendement en coupe, autant le rendement en coupe que la qualité de la viande comme telle. Puis la tendreté de la viande est inclue là-dedans. Donc, c'est à ce niveau-là que le véroterminal peut avoir de l'impact. Par opposition au lien femelle, il y a comme une balance entre les deux. De sorte que quand on regarde l'évolution du progrès génétique, l'impact du véroterminal pour les caractéristiques que je viens de vous donner, c'est lui qui est le haut du plancher en termes d'impact au niveau de l'amélioration des performances sur le producteur. Une des questions qu'on se pose souvent, c'est pourquoi il existe tant de lignées terminales que ça? À l'intérieur du Canada comme tel, on est un pays exportateur de viande, donc on dépend beaucoup des demandes du marché pour pouvoir produire une viande qui rencontre ces besoins-là, dont le marché asiatique qui a des demandes précises en termes de gras intramusculaire. C'est pour cette raison-là que le Duroc en général, le PIC 800 représente en illustration ici, c'est un verra qui est en demande sur des marchés d'exportation comme tel, comme les marchés asiatiques. Si on regarde des pays comme le Brésil qui n'ont pas nécessairement de besoins spécifiques en termes de qualité de viande ou en termes de produits comme tels, en termes de coupe comme tels, bien, ils vont rechercher davantage, eux, le coût du gain. C'est pour cette raison-là qu'il y a des lignées qui ont des fortes croissances, des faibles conversions alimentaires, comme le 337, sont fortement prisées dans ces pays-là. Par opposition, les pays d'Europe qui ont une historique de consommation de viande puis développement de charcuterie, eux, on sont complètement à l'opposé, ont des besoins beaucoup plus spécifiques en termes de profilage de carcasse, donc des contenus en maigre très élevés, des musculatures très élevées. Ils ne veulent pas avoir de gras dans la viande parce que ça nuit au processus de fabrication des charcuteries puis des produits transformés. Donc, on voit davantage réellement la forte conformation. Dans les pays comme les États-Unis, où on a de temps en temps des élevages avec des problématiques de santé, ça prend des animaux robustes. Dans le cas des États-Unis, c'est pas toute la viande qui est exportée à l'extérieur. Donc, ils recherchent aussi le coût du gain, puis surtout l'efficacité alimentaire à des poids élevés. Puis en ce sens-là, un Verum Shear 327 rencontre ces besoins-là. Tout ça pour vous dire que ces quatre lignées-là, quatre races-là, ont des profils très différents, sont différents les uns des autres en termes de caractéristiques pour le poids à 150 jours ou la conversion alimentaire. Le 337 étant celui qui a la meilleure conversion alimentaire et le meilleur gain, par opposition au piétrin 408, dans le fond, qui est complètement à l'opposé, croissance plus faible, conversion un petit peu moins bonne, puis les deux autres étant un peu entre les deux, un étant meilleur en valeur de carcasse, l'autre étant meilleur en termes de qualité de viande. Donc, selon les besoins du marché, différents véroterminaux. Une des finalités d'un programme génétique performant au niveau terminal, c'est de l'améliorer continuellement. Et pour l'améliorer continuellement, il y a essentiellement cinq variables, dont quatre qui sont reliées à l'équation qui détermine le progrès génétique, sur laquelle je vais m'attarder pour les quelques prochaines minutes. Il y a quatre principales variables, dont l'intensité de sélection. L'intensité de sélection, dans le fond, c'est la proportion d'animaux gardés par rapport au nombre d'animaux testés. Donc, on peut déduire que la taille de population peut avoir un impact important, mais également, il faut rajouter à ça le nombre d'animaux testés pour lesquels on va chercher des informations pour pouvoir sélectionner. Si vous avez, par exemple, 100 verras, vous en cassez 90, bien, dans le fond, votre intensité de sélection est de 1 sur 10, pas de 1 sur 100 si on n'en casserait aucun. Donc, l'intensité de sélection n'est pas la même dans ce cas-ci, selon la proportion d'animaux qui sont évalués. Donc, l'intensité de sélection, c'est un des moteurs importants. Puis, il n'y a pas de secret, il faut tester un grand nombre d'individus dans une population pour pouvoir avancer génétiquement. Donc, ça, c'est l'élément 2. Puis, en passant, les éléments que je présente ici ne sont pas nécessairement en ordre d'importance. C'est simplement, je vais y référer de temps à autre dans la présentation pour vous dire, en fait, à quoi mes propos réfèrent. Parce qu'on va référer cette équation-là assez souvent dans la présentation. Au niveau de la variabilité génétique, quand on fait de l'amélioration génétique, généralement, on élimine les moins bons et on garde les meilleurs. Donc, dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on élimine une partie de la variabilité génétique. C'est pour cette raison-là que d'avoir des populations importantes peut avoir un rôle important à jouer parce que ça permet d'optimiser la variabilité génétique
Puis de temps à autre, l'inclusion de matériel génétique externe peut aider également à optimiser cette variabilité génétique-là. Dans un autre ordre d'idée, l'intervalle entre les générations, c'est un élément extrêmement important, mais qui est un peu statique dans le sens qu'on connaît très bien aujourd'hui c'est quoi la durée d'utilisation optimale des reproducteurs. On sait qu'un verra, la durée optimale d'utilisation, c'est jamais plus que 3-4 mois. Puis dans le cas des femelles, rarement, on va dépasser 2 portées par truie. Pourquoi? Parce qu'on veut tourner les animaux rapidement pour améliorer la génétique plus rapidement dans les populations de race pure. Et finalement, la précision de l'indice, qui est un élément qui est le plus influencé par les technologies sur lequel on va beaucoup s'attarder dans cette présentation-ci. Tout ça pour vous dire, dans le fond, que tout ça est beau, mais rien de ça a une valeur si on n'a pas accès à une base de données acceptable. Puis par base de données acceptable, la base de données, puisqu'elle représente un élément fondamental de l'amélioration génétique, on veut avoir des données de recueillies sur les animaux, sur plusieurs caractères, sur plusieurs centaines, voire des milliers, même des millions de cochons. De cette manière-là, on est capable de faire une évaluation qui est plus précise possible à partir du moment qu'on a plus d'animaux. On a ajouté depuis plusieurs années un grand nombre de caractères et plus récemment, au cours des 5 dernières années, on a ajouté des mesures, par exemple, comme le contenu en maigre vendu. Auparavant, on utilisait l'épaisseur de gras et l'épaisseur de longe pour estimer le pourcentage en maigre. Aujourd'hui, on peut le faire en temps réel en utilisant un appareil comme l'autophone, duquel on a calibré les valeurs bouchères par découpe. Et puis, les mesures qui sont prises par les senseurs au bas du jambon de l'animal permettent d'estimer de façon tout à fait précise le contenu en coupe primaire pour ce cochon-là. L'avantage, c'est qu'on peut le faire en temps réel, c'est-à-dire avec des fréquences ou un rythme d'abattage de 1200 cochons à l'heure, alors qu'on sait que ça prend assez pas mal de temps pour faire une découpe de carcasse. Donc, un gain en temps important, donc on peut aller chercher des données sur plus de cochons. L'autre élément aussi sur lequel on travaille beaucoup ces dernières années, c'est l'addition de la qualité, de la tendreté de la viande dans l'indice de sélection. Pourquoi? Parce que l'expérience gustative chez le consommateur est importante. Si on veut que la viande de porc soit consommée et appréciée par les consommateurs, il faut qu'ils aient une expérience gustative qui est favorable. Donc, une viande tendre avec un bon contenu en eau est important. Puis on a des nouveaux appareils aujourd'hui qu'on utilise pour estimer cette tendreté de la viande-là. Et également, l'utilisation de données qu'on peut aller chercher dans les centres d'insémination et puis qui mesurent la qualité des spermatozoïdes et la morphologie des spermatozoïdes nous permet non seulement d'améliorer les caractéristiques terminales des cochons, mais aussi s'assurer que ces animaux-là vont produire une progéniture qui va être abondante. Donc, l'intégration de ces caractères-là amène un élément important. J'en parlais tout à l'heure et j'y reviens. C'est important d'avoir des tailles de population importantes. Puis pourquoi? Si les tailles de population sont trop petites, puis on parle d'une population en bas de 500 ou 1000 cochons, bien, on n'optimise pas nécessairement le progrès génétique. Et puis, avec l'augmentation des tailles de population, comme je vous disais tout à l'heure, on maîtrise davantage le côté variabilité génétique. Puis, l'augmentation des tailles de population est également souhaitable dans le cas où on veut diffuser les jeunes élites le plus rapidement possible. Supposons, par exemple, qu'on vend 10 verras une année X, et puis l'année suivante, on en vend 20. Bien, si on a la même population, notre intensité de sélection n'est pas la même pour les verras qui sont placés en CIA et destinés aux producteurs. Donc, il faut vraiment que pour maintenir un taux de vente d'animaux élites avec des porteurs de fort potentiel, il faut à la fois au niveau sélection et au niveau des CIA pour utilisation commerciale de vraiment y aller et d'avoir des taux de population élevés. Maintenant, je change un peu de discours en parlant maintenant principalement des facteurs qui ont rapport avec la précision de l'indice. Et puis, par ça, ce que je veux dire, c'est que c'est un élément extrêmement important qui a évolué beaucoup dans les 30 dernières années. Un des aspects importants qui ont été mis en place au cours des dernières années, c'est l'utilisation des mesures prises au niveau commercial. Traditionnellement, les mesures étaient prises simplement dans les nucléus. Mais comme les nucléus ont des niveaux de santé et des niveaux de gestion meilleurs qu'au niveau commercial, ce n'était pas nécessairement les animaux les meilleurs au niveau nucléus qui étaient performants au niveau commercial. Donc, on a ajouté une étape supplémentaire qui consiste à tester sur des femelles commerciales
la semence de verrat utilisée au niveau nucléus. Et ces porcs charcutiers-là, issus de ces verrats terminaux-là, sont évalués sur certaines caractéristiques comme la croissance, la conversion alimentaire, la mortalité, etc. Les données sont recueillies à l'abattoir, comme je le mentionnais tout à l'heure. Et puis, ces données-là, combinées avec les données recueillies dans les nucléus, permettent de faire une meilleure évaluation, puis de prédire une meilleure valeur sur les animaux évalués, donc de garder les animaux qui sont vraiment les plus performants possibles. Puis, le bénéfice attendu de ça, qui a été mesuré de manière constante, c'est une amélioration de 18 % du progrès génétique annuel. Puis je l'illustre ici par cet exemple-là. Je vous montre deux cochons à droite, un qui est encadré en vert puis un qui est encadré en bleu. Celui qui est encadré en vert est celui qui performe le mieux au niveau nucléus si on en considère que les données de nucléus. Dans ce cas-ci, bien, l'animal, quand on regarde les performances prises sur les commerciaux, on se rend compte que c'est l'animal qui est encadré en bleu qui donne les meilleures performances, alors qu'au niveau nucléus, c'est à celui-là en vert. C'est exactement ce genre de situation-là qu'on veut éviter. Quand on fait de l'amélioration génétique, on veut que l'amélioration se rende au niveau du producteur, donc que les verrats soient porteurs de progrès qui est transmissible. Donc, c'est vraiment l'animal encadré en bleu que l'on veut garder parce que ce qu'on veut, c'est de maximiser la diffusion de progrès au niveau des éleveurs commerciaux. Parallèlement à ça, une utilisation très ciblée de la génomique permet aussi d'améliorer de façon substantielle l'amélioration génétique ou le taux de progrès génétique annuel. Il ne suffit pas d'avoir des prises de sang ou des données de marqueurs pour pouvoir faire de quoi, mais il faut savoir quoi faire avec la donnée. Puisque ce que la science nous dit depuis des années, puisqu'on ce qu'on a mis en place chez PIC depuis plusieurs années, c'est l'utilisation de la génomique à des fins de détermination du degré de relation entre individus. Comme cette diapo l'illustre, on montre ici deux parents, un père et une mère, qui ont reçu chacun la génétique de leur père et de leur mère. Puis chacun des assortiments génétiques de chacun des quatre grands-parents, des individus en dessous, sont illustrés par différentes couleurs. Ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a un brassage qui se fait des gènes qui vont être transmis à la descendance. Puis ce qu'on voit, dans le fond, c'est des profilages complètement très variables d'un individu à l'autre. Par exemple, les deux premiers qui montrent des conformations puis des croissances élevées, puis des niveaux de maigre très élevés, on voit ici que les deux animaux, non seulement sont identiques au niveau performance, mais sont aussi identiques au niveau génotype. Ce sont, dans ce cas-ci, des vrais jumeaux. Donc, on voit que ces animaux-là qui sont porteurs de certains gènes sont susceptibles de performer davantage. Par opposition au troisième, qui, lui, est beaucoup plus trapu, beaucoup plus gras, mais curieusement, il y a très, très peu de relations génétiques, même si c'est une sœur des deux verrats qu'il y a là. Il y a 20 % seulement de ressemblance génétique avec les individus, des deux premiers individus. Tout ça pour vous dire, dans le fond, qu'en général, on devrait s'attendre d'avoir à peu près ce que la généalogie, la science de la généalogie nous dit, c'est ce qu'on utilisait auparavant pour faire des évaluations génétiques. On considérait que tous ces descendants-là avait 50 % de ressemblance génétique, alors que ce n'est pas vrai en réalité. Puis le fait de clarifier cette ressemblance génétique-là nous permet d'apparier ensemble plus facilement les individus qui sont profilés pour produire des animaux qui sont plus performants, puis les distinguer des autres qui sont moins performants, par exemple, comme le porc numéro 3 qu'on voit dans cette fratrie-là. Donc, le bénéfice final de ça, c'est une amélioration génétique qui est récurrente de 35 % par année. Pourquoi? Parce qu'on est capable de séparer le blé du vrai, c'est-à-dire les animaux qui sont plus performants, on est capable de les profiler plus facilement, les identifier et puis de les conserver pour produire la génération suivante. Donc, on observe depuis l'implantation en 2013 une amélioration de 35 % du niveau d'amélioration génétique. On peut appliquer également ces concepts d'amélioration génétique-là à des populations existantes pour lesquels on a décidé, par exemple, de changer les orientations de sélection. Puis le PIC 800 représente un très bel exemple de tout ça. Depuis 2013, un petit peu même avant 2013, il y a eu des décisions qui ont été prises pour rebalancer le programme génétique de cette population-là. En particulier, avec l'avènement de la génomique, comme je l'expliquais tout à l'heure, on a pu, comme tel, accélérer le programme génétique de manière importante chaque année.
Deuxième élément qu'on a fait aussi, c'est qu'on a recadré un peu l'importance qu'on accordait à la croissance et la robustesse par rapport à des caractéristiques de carcasse qui sont un petit peu moins importantes aujourd'hui qu'ils l'étaient dans les années précédentes. Un élément important qui a été mis en place dans cette population-là, c'est un accroissement exponentiel de cette population-là. On l'a multiplié d'un facteur 10 en moins de 10 ans. Pourquoi? C'est pour maintenir les effets de sélection et pour s'assurer de progresser le plus rapidement possible sur le plan génétique pour produire des animaux de haute qualité. Comme j'en parlais tout à l'heure, évidemment, on a intégré des nouvelles données qui ont permis d'améliorer les caractéristiques de coupe de viande et de tendreté de viande, mais aussi, dans la foulée d'augmentation des populations, on a également intégré de nouvelles sources de gènes dans la population via les différentes acquisitions que PIC a faites dans les dernières années et puis l'évaluation de ces populations-là, de manière, en fait, à pouvoir tirer le maximum de chacune de ces sources-là. Donc, en termes technico-économiques, tout ça a de l'impact chez le producteur. Puis c'est ce que je veux voir dans les prochaines minutes. Ce tableau aussi vous montre de façon très, 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 très précise l'impact d'amélioration génétique au niveau d'un programme complet chez PIC. En 2020, on s'est amélioré d'un indice moyen à peu près de 21 points. Et j'ai illustré en jaune les caractéristiques qui avaient davantage rapport aux terminaux, que ce soit la croissance du poids de carcasse, la conversion alimentaire, le gras dorsal, l'épaisseur de l'ange, la mortalité, sevrage, abattage, le nombre d'animaux vendus par truie par année, puis les kilogrammes de porc vendus par truie par année. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'au terme de cette année, de l'année 2020, la marge par porc qui a été générée, ça correspond à 5,38 $ pour le programme complet. Premier élément, c'est que si on recule seulement 10 ans, compte tenu des améliorations sur les technologies, l'intégration de la génomique, l'intégration de plus de caractères, puis l'intégration du programme GNX, on a augmenté ce programme génétique-là de l'ordre de 3 $ à plus de 5 $ aujourd'hui. Donc, c'est strictement lié au fait que l'indice de sélection plus précis, on peut progresser plus rapidement. De cet avantage-là en termes de marge, de 5,38 $, il y a la moitié à peu près qui est transmise par le VRA terminal, ce qui représente entre 2,50 $ et 2,75 $ par porc produit par année. Puis le point important à souligner, c'est que cet effet-là est cumulatif, c'est-à-dire que si on crée 2,50 $ depuis 2016, ça veut dire que ce progrès-là s'accumule à chaque année, de manière qu'après 5 ans, c'est 12,5 $ de marge supplémentaire qui a été accumulée par l'amélioration génétique. Ici, les graphiques vous montrent un peu les évolutions au cours des 5 dernières années pour des caractéristiques comme la croissance, la conversion alimentaire puis la mortalité pré-abattage. L'élément qui est fascinant là-dedans, c'est que, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a ajouté de nouveaux critères génétiques au fil des années. Mais malgré tout ça, on ne voit pas d'essoufflement dans l'amélioration génétique pour des caractéristiques qui sont sélectionnées depuis nombreuses années. Donc, si on maintient l'amélioration génétique pour des caractères existants, puis on en crée de la nouvelle, donc on accélère le progrès génétique généré annuellement dans une population de VRA terminale. Tout ça, dans le fond, l'objectif de ça, c'est d'en arriver à pouvoir en faire bénéficier le producteur. Ici, c'est un exemple d'un client de l'Ouest canadien qui utilise la génétique améliorée. Il n'y a pas eu de changement nécessairement autre que de la génétique dans tout ça. Les processus se sont améliorés, mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a une grosse partie de cette amélioration-là qui a été amenée par l'amélioration de la génétique du programme terminal. Tout ça pour vous dire que ce qui est créé au niveau sélection peut être transmis au niveau commercial. Une fois qu'on a créé ces programmes d'amélioration génétique-là, il ne suffit pas de mettre en place un programme puis de mesurer des données puis d'évaluer des indices pour savoir si on a un programme qui est performant ou pas. Il faut continuellement se benchmarker de manière à valider si les progressions génétiques que l'on fait dans une lignée donnée sont compétitives par rapport à ce qu'on voit ailleurs. Donc, les programmes de validation, l'objectif de ça, c'est de pouvoir amener un feedback important au niveau des individus qui sont responsables de définir quels caractères inclure dans l'indice génétique, de manière à ce que
on puisse continuer d'accélérer le progrès génétique puis se différencier en fait en termes de performance. Une fois également qu'on a créé ce progrès génétique-là, je dis toujours que la génétique, ce n'est pas une finalité, c'est un moyen. Donc, on crée le progrès génétique, mais c'est le début de la partie, comme on dit. Une fois qu'on a ce potentiel-là, il faut le transmettre chez le producteur, c'est-à-dire qu'il faut le disséminer via les centres d'insémination, puis ensuite, ça prend une équipe. Puis, en fait, le groupe Serres représente bien un peu tout ce que ça prend comme équipe pour pouvoir faire exprimer le potentiel. Il y a des gens qui sont impliqués dans différents secteurs d'activité, qui ont tous leur importance, et puis qui amènent, en fait, le porc qui a un potentiel X à se faire exprimer au niveau commercial. Que ce soit la nutrition, la gestion d'élevage, la reproduction, que ce soit également les spécialistes en qualité de viande ou en qualité de carcasse, tous ces gens-là gravitent autour pour pouvoir s'assurer que le potentiel qui a été créé soit exprimé. Donc, au final, dans le fond, on a bien vu dans la présentation que le terminal a vraiment un impact important chez le producteur. Et il faut bien se rappeler que pour qu'il soit pertinent, il faut qu'il soit adapté aux besoins du producteur, mais également aux besoins du marché. Le programme d'amélioration génétique, il est important pour le producteur parce que c'est une façon pour lui de réduire son coût de production puis d'amener une valeur ajoutée chaque année. Pour y arriver, comme je le mentionnais tout à l'heure, il est extrêmement important qu'on travaille sur les quatre facteurs qui influencent le progrès génétique annuel et en marge de ça, d'avoir des données sur des grandes tailles de population sur plusieurs caractères, puis sur des caractères surtout qui peuvent s'améliorer par la génétique. Donc, bien s'assurer que ces caractères-là sont pertinents puis qu'ils peuvent éventuellement amener une plus-value chez le producteur. Puis si on le fait bien, bien, on crée une valeur ajoutée qui est récurrente puis qui est bénéfique pour le producteur. Mais ce qui est absolument fascinant de tout ça, c'est que quand j'ai commencé il y a 35 ans, on travaillait sur deux caractères. Aujourd'hui, on travaille en terminale sur près de 20 caractères. Puis avec l'évolution des technologies, on peut s'attendre à ce que ce nombre de caractères-là augmente, puis on peut s'attendre également à ce que le progrès génétique continue de s'accélérer dans le futur, ce qui est absolument fascinant. Puis sur une finale un peu plus humoristique, même si on dit que la génétique constitue le départ d'un tout, je ne dirais pas que faut faire attention de croire qu'on est que tout est sous contrôle. Il ne faut pas se ramasser dans la situation de la personne malvoyante que l'on voit ici dans ce dessin animé-là. Sur ce, je laisse la parole à Dan, et puis ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Merci beaucoup. Merci, Daniel. Donc, très intéressant, toujours impressionnant de voir le progrès génétique. Puis tu mentionnais à la fin que tu penses que ça va continuer à s'accélérer, parce que c'était justement une question. Est-ce qu'on peut continuer à espérer avoir des 5 $, 2 piastres et demi par port produit par année d'amélioration génétique? C'est assez impressionnant. Donc, tu sembles confirmer que oui, ça va continuer à s'accélérer, qu'on n'aura pas un plateau prochainement. Non. Bon. Et avec les nouvelles technologies, on peut croire, Dan, que puis ces technologies-là, c'est peut-être des technologies qu'on ne connaît même pas aujourd'hui. Ce qui est clair, c'est qu'on a des nouvelles mesures qu'on peut prendre, qu'on ne pouvait pas prendre aujourd'hui, avant. Un bel exemple de ça, c'est toutes les vidéos qu'on peut aller chercher pour prédire, par exemple, des aspects comportementaux, qu'on peut chercher également à mesurer de façon plus subjective des animaux qui ont une meilleure conformation. Toutes ces technologies-là vont embarquer dans les prochaines années pour pouvoir nous aider à travailler sur des nouveaux caractères. J'ai deux petites questions, Daniel. Un verra, tu disais que le verra en nucléus, il était 3-4 mois. Quand on a des verras dans les centres d'insémination, c'est quoi la durée de vie de ces verras-là en termes d'optimiser la valeur génétique, mais aussi économique, là, parce qu'il y a un coût à remplacer des verras à tous les 3-4 mois que vous le faites dans le nucléus. C'est quoi l'optimal au niveau des verras dans les centres d'insémination que vous recommandez? OK. Selon, en fait, le programme choisi par l'éleveur, je dirais que il y a différents types de programmes. Il existe si les gens veulent vraiment bénéficier des verras vraiment top élite, il faut remplacer les verras à peu près à 100% par année. Dans des situations plus conventionnelles, on parle de 70-75% par année. Ça représente une moyenne acceptable pour un programme régulier. Ça peut monter à 100% pour des programmes plus agressifs. Okay, donc, un an et demi en moyenne, là, ça peut être… C'est ça. Okay.
Deux petites questions du public. Question à 100$. Qu'est-ce qui différencie PIC des autres compagnies génétiques en termes de sélection génétique? C'est-tu le nombre ou le type de critères ou la façon de sélectionner? Toutes les réponses sont bonnes. En fait, je dirais que ce que j'ai essayé d'expliquer un peu dans la présentation, on parle, ce qui différencie souvent le programme, c'est le rythme d'amélioration. Moi, je compare un peu l'amélioration génétique à un marathon. Ce qui est important, c'est pas nécessairement la position qu'on a. C'est toujours mieux d'être en avant dans un marathon qu'en arrière. Mais si tu es en avant, ça ne veut pas nécessairement dire que tu vas être en avant tout le temps. Tout dépend à quelle vitesse les autres roulent. Fait que pour rouler le plus vite possible, ce que moi j'observe, c'est que dans l'équation d'amélioration génétique, c'est vraiment au niveau d'outils comme la génomique puis les programmes de testage en milieu commercial, puis l'intégration de nouvelles mesures qui vont amener une valeur ajoutée chez le producteur, qui vont faire en sorte que le producteur, il va dire, oui, ça a une valeur ajoutée pour moi, puis pour moi, ça permet d'aller chercher une marge supplémentaire. Je vous donne un exemple, par exemple, pour la robustesse. Bien, il n'y a pas de 106 façons d'augmenter la robustesse. Il faut aller chercher des données au niveau commercial. C'est implacable. Toute la littérature scientifique le confirme. Puis, dans le fond, chez PIC, quand j'ai commencé, on était à 100 000 cochons par année. Aujourd'hui, on est plus que 250 000 cochons commerciaux évalués par année, ne serait-ce que pour valider la robustesse. Donc, c'est des éléments importants. C'est dans le fine-tuning de tout ça qui fait qu'il y a une différence. Puis qui fait en sorte, au final, que le rythme du marathonnier augmente, fait qu'il y a plus de chances d'être en avant à la fin de la course. Daniel, regarde, on va garder quelques questions pour la fin. Il y a d'autres questions qui rentrent. On va se faire un petit wrap-up à la fin suite à la présentation de Jean-Philippe, entre autres. Donc, on te Merci. Revoit à la fin. C'est bon? Parfait. Merci. Donc, prochain présentateur, nul autre que Jean-Philippe Martineau, GP, de son petit nom. Donc, Jean-Philippe est nutritionniste chez Groupe Sarès Athéna depuis 4-5 ans, partenaire chez Athéna aussi. Donc, Jean-Philippe, vedette du podcast. Jean-Philippe va parler un peu de partie engraissement, un peu de ce qu'on fait au niveau des tests à l'interne avec iLife, petits trucs aussi, des petites vidéos. Donc, Jean-Philippe, je te laisse, pas besoin de t'introduire plus que ça, tout le monde te connaît, donc je te laisse y aller avec ta présentation. Donc oui, c'est ça, je vais présenter certaines nouveautés en engraissement, mais aussi comment qu'on fait nos tests chez iLife pour déterminer quelle génétique qu'on choisit. Donc c'est ça, puis après je vais donner des suggestions pour comment vous pouvez à la ferme aussi faire ce genre de tests-là, mais s'assurer de le faire comme il faut, là, pour pas que ça soit dû au hasard, mais bien une vraie décision de scientifique. On commence avec une nouveauté. Le produit s'appelle AllBite. C'est un produit, là, c'est un bloc vraiment, vraiment dur qui a été développé par Alltech pour éviter le mangeage de queue, pour intervenir quand on a de mangeage de queue. Avec un gros bloc de mélasse avec minéraux qui vient. C'est déjà figé dans une chaîne, fait qu'on peut facilement l'accrocher là, dans le parc. Donc, ce qu'on suggère, c'est l'utilisation de ces blocs-là là, pour un parc de malades avec des queues mangées. Évidemment, là, si on a des queues mangées dans tous les parcs, le problème est à un autre niveau. Là, puis je ne pense pas que c'est qu'on veut aller vers des blocs pour chaque parc, là, évidemment. Faut parler aux nutritionnistes, aux généticiens, comprendre pourquoi on a autant de mangeage de queue. Mais c'est normal, là, un lot là, d'avoir 5, 6, 7 mangeages de queue, les isoler dans un parc. Mais on pourrait mettre ce genre de bloc-là dans ce parc de malades que j'appelle. Donc, c'est ça. Ça ici, c'est la journée d'après là, de quoi qu'il y a de l'air. Puis il y a une centaine de cochons dans ce parc-là. Ça fait que 100 cochons, une journée, 24 heures, le bloc qui ressemble à ça. Fait qu'il en reste encore amplement. Donc, tu sais, moi, ma crainte, c'est de savoir s'il va durer combien de temps, ce bloc-là. Puis, ça semble vraiment bien. Là. Il semble toffé. Là. Fait que c'est si un parc de malades, puis d'une quinzaine ou vingtaine de cochons, on peut s'attendre que le bloc va rester là un bout de temps. Donc, pour les mangeages de queue, vous pourrez. Essayez ça, donnez-y une chance au lieu de mettre peut-être des. Anciennement, on allait avec des blocs
des bûches de bois, des boules de quilles, il y en a différents, il y a des jouets, différentes affaires, mais c'est une alternative de plus. Mais ce que je vois là-dedans, c'est le fait qu'on un apport de minéral supplémentaire, ben, ça va aussi donner l'effet de satiété, va faire que l'animal va boire plus, et peut-être qu'il va avoir moins tendance à... Ben, en réalité, c'est l'animal qui est déjà avec une queue mangée, mais c'est, on veut que ses collègues il n'aille pas aggraver sa blessure, donc ça va éviter que les autres y jouent avec. Donc, une suggestion pour vous. Ce bloc-là, on l'a, ça s'appelle All Bite, encore une fois, ça vaut 42$, on l'a chez Demeter, on l'a aussi chez Goliath. Donc, que vous soyez client seulement Demeter ou Goliath, vous pouvez le demander lors de vos commandes pour y donner, pour y faire l'essai. Ce que je vois aussi avec ce bloc-là, peut-être une possibilité, c'est en voyant que les cochons étaient vraiment attirés à jouer avec ça, puis étaient vraiment concentrés à jouer là-dessus. Je me demande, quand on fait nos parcs de truies, des truies en parc, je ne sais pas si je n'accrocherais pas un bloc comme ça pour voir si les truies ne seraient pas attirées à jouer avec ça au lieu de tenter de se battre ensemble. Donc, c'est peut-être un autre truc à essayer si jamais vous avez des problématiques de bataille chez la truie quand vous faites les parcs. Autre aspect de production d'engraissement là, qui est nouveau et qu'on entend de plus en plus parler, c'est la ventilation tunnel en engraissement. Il n'y en a pas tant que ça au Québec. Je pense que c'est que moi je connais, il y en a probablement juste un ou deux. Donc, ça, c'est un producteur québécois. Il s'est installé en ventilation tunnel. Il aime beaucoup le concept. C'est vraiment très efficace en été. Donc, c'est ça, les entrées d'air étaient à cette extrémité-ci du bâtiment, comme on voyait là. Les ventilateurs sont à l'autre bout. Donc, ça, l'été, ça l'embarque. Sinon, l'hiver, c'est de la ventilation plutôt conventionnelle avec ces entrées d'air-là, comme on voit. Conventionnel l'hiver, mais l'été, on a vraiment l'option de tirer de l'air là, à une vitesse, une grande vitesse, qui permet de refroidir les pores en engraissement. Plus qu'on va être efficace à baisser la température corporelle du cochon à l'engraissement durant la période estivale, moins que l'effet de chaleur aura sur la performance. Donc, vous pourrez, lors de vos prochaines rénovations, au moins penser à cette alternative-là, investiguer, puis parler aux producteurs qui ont déjà ça, puis évaluer si ça pourrait être une bonne alternative là, pour votre engraissement. Par la suite, on va embarquer vraiment sur l'aspect comment on fonctionne chez iLife pour tester nos lignées terminales génétiques. Ce qu'on fait, c'est que lors des saillies, on saillit une truie sur deux avec une des deux génétiques. Donc, si on a la génétique A contre la génétique B, bien, une truie sur deux va être attribuée à chacune des lignées terminales. Ce qu'on ne veut pas, par exemple, c'est qu'on ne veut pas faire une bande avec la génétique A contre la bande numéro 2 génétique B. Ce n'est pas assez précis pour évaluer. Dans notre cas, ce n'est pas suffisant. On va voir que les différences entre les génétiques ne sont, sont pas toujours très grandes. Donc, il faut vraiment... Pour éviter des variations là, qui viennent comme des variations environnementales qu'on appelle, c'est-à-dire des effets température, des effets, tu sais, on veut s'assurer qu'on ait les deux génétiques égales à travers le même lot. Fait que ça se détermine par batch. Nous, c'est une bande, c'est un test. Donc, 50% des truies vont être saillies avec la génétique A, 50% avec la génétique B. Ce qui fait en sorte que quand on arrive au mise-bas, on sait quelle truie a été taillée avec la génétique A versus B et on tag avec couleur en conséquence. Donc, toutes les porcelets reçoivent un tag de couleur correspondant à leur génétique terminale. Toutes les truies, évidemment, proviennent... toutes les truies saillies, c'est la même génétique. Le seul changement, c'est la lignée terminale. C'est ça. Fait qu'on tag tous les porcelets à la naissance avec un tag aussi de chiffres individuels. Tous les porcelets vont être aussi pesés à la naissance. Donc, c'est là que ça commence. On commence dès la naissance à mesurer. On connaît tous les poids de naissance. Après ça, on reprend des pesées individuelles au sevrage.
Ce qui fait en sorte que déjà là, à la fin de la maternité, lors du sevrage, on a déjà deux mesures, le poids de naissance, le poids de sevrage. Si les porcelets sont morts pendant la lactation, on connaît aussi les causes. On veut déterminer si parfois il y a des génétiques un peu plus sensibles. Je ne sais pas si on le verrait là. C'est si une génétique a moins de réserve corporelle, mortalité pré-sevrage plus élevée. Si ça se répète tout le temps, ben, on pourra mettre ça en doute là, que peut-être qu'il y a une lignée plus sensible à l'autre qui pourrait affecter la mortalité pré-sevrage. Après, on amène tous ces porcelets-là. Ah, ben juste un petit détail, mais c'est aussi, ça nous permet là, de. Si déjà on voit qu'il y a plus d'hernies ou des défauts génétiques autres, là, on va pouvoir les cibler dès le départ de maternité. En pouponnière, on prend tous ces porcelets-là et on s'assure encore une fois qu'ils soient partagés de façon égale dans les parcs. On ne veut pas qu'il y ait un effet chambre, on ne veut pas. C'est pour ça qu'on les garde toujours côte à côte dans nos chambres. De cette façon-là, tous les parcs ont la même quantité de porcs de la génétique A et de la génétique B. Et on s'assure aussi que tous les parcs sont équilibrés pour le nombre de poids, le poids par parc. De cette façon-là, c'est égal. Si les porcelets meurent pendant la pouponnière, on prend note des causes. Et on repèse encore une fois les porcelets à la fin de la pouponnière individuellement. Donc ça, c'est la troisième fois qu'on pèse des cochons déjà, puis on est juste rendu à la fin de la pouponnière. Rendu en engraissement, c'est sensiblement la même chose. C'est juste que là, cette fois-là, on va mettre tous les cochons de la même génétique dans le même parc. Et donc, c'est dans ce cas-ci, ça pourrait être la génétique A. Puis, je voulais juste vous montrer aussi comment ça se passe. Il faut quand même être bien équipé. Là. Fait que, on a une grosse balance pour peser nos cochons en engraissement. Une grosse balance corridor, en fait. Fait que c'est là qu'il va aller les reconduire. Là. Fait qu'à toutes les trois semaines, on pèse des cochons en engraissement pour voir le progrès là, de leur gain pendant la période d'engraissement. Puis aussi, toute la moulée... Ils ont toutes leurs mangeoires individuelles. Chaque parc a leur propre mangeoire. On connaît leur consommation par parc. Même chose en pouponnière. Fait que, en réalité, ça me fait penser, là, en pouponnière, on ne mélange pas les porcelets dans les mêmes parcs. Chaque génétique a leur propre parc, car on veut mesurer aussi la consommation de chaque génétique et l'efficacité alimentaire pendant la période de pouponnière aussi, et non pas la période exclusive de l'engraissement. Donc, désolé pour ce petit point-là, mais c'est ça. Fait qu'à la fin de l'engraissement, on va avoir pesé les cochons déjà c'est plusieurs fois. Donc, en engraissement, c'est à toutes les trois semaines. Et à la fin de l'engraissement, on repèse les cochons encore une fois individuellement. J'ai sorti justement là, les moyennes de différence de gains et d'efficacité alimentaire de nos derniers tests, juste pour vous donner une idée de comment que c'est serré. Puis qu'il faut être précis, puis il faut s'assurer d'avoir la même génétique dans le même lot. À cause sinon, il n'y a pas beaucoup de manœuvres. C'est si on faisait une bande contre une bande, ça ne nous permettrait pas d'évaluer, de pouvoir mesurer des différences qui sont minimes parfois au point de vue numérique, mais qui sont importantes au niveau économique. Par exemple, notre moyenne de différence sur le gain qu'on a mesuré les derniers tests est seulement de 15,8 grammes par jour. Donc, ce n'est pas évident au niveau commercial de mesurer ce genre de différence-là si on ferait une batch contre l'autre batch, donc batch contre batch. Mais si on le fait à l'intérieur du même lot, c'est possible. Mais 15,8 grammes par jour, ce n'est pas un gros chiffre, mais économiquement, on parle de 3,25 $ de plus par tête si on a la possibilité de faire ce gain-là de plus. En termes d'efficacité alimentaire, on a seulement mesuré des différences qui varient entre 3 à 8 points de conversion. C'est très difficile à mesurer, encore une fois, au niveau commercial, mais si on le fait à l'intérieur du même lot, c'est possible. Mais à tous les points de conversion, on parle de 38 cents par cochon. Donc, c'est important de pouvoir être certain de pouvoir détecter une différence aussi faible que 3, 4, 5 points de conversion, car au niveau économique, ça fait la différence.
à cause, par exemple, juste des fois, là, des fois, ça vaut la peine de payer une pièce de plus la dose pour de la semence, par exemple, sachant que ça l'équivaut seulement à 25 cents par part fini. Mais sachant que c'est une génétique qui sera au moins meilleure qu'un point de conversion. Right? D'accord, ça prend seulement qu'un point de conversion pour payer l'investissement supplémentaire sur la dose. Donc, sachant que c'est souvent plus que ça, mais ça vaut la peine de payer la semence plus cher, mais du moins, on sait qu'on retrouve cet argent-là plus tard dans le système. Donc, en résumé, quand on teste les génétiques, c'est du travail qui est laborieux. Il faut taguer tous les cochons. On prend des pesées individuelles souvent pour réussir à détecter un peu des variabilités qui sont minimes. Mais c'est comme je vous dis, là, si on le fait à l'intérieur de la même bande, c'est possible de le détecter en centre de recherche. C'est des tests qui sont longs. C'est par le temps qu'on saillit puis qu'on ferme le test. Bien, ça prend quasiment un an. Si je l'évalue à 275 jours plus le temps de faire rapport. Ça prend un an là, avant d'avoir un test complété, saillie jusqu'à la fin. Et encore une fois, là, il faut de l'équipement. Là, faut être, on ne fait pas tout ça à main. Donc, il faut des balances. Il faut des systèmes de distribution de moulées électroniques là, en pouponnière, en engraissement. En pouponnière, ça peut gérer, ce n'est pas des grosses quantités de moulées, là, mais surtout en engraissement, il faut avoir un distributeur de moulées automatisé là, pour permettre de mesurer la quantité de moulées qu'on donne par jour au cochon d'engraissement par parc puis déterminer l'efficacité alimentaire, qui n'est jamais le cas en engraissement là, chez vous. Là, la personne est équipée de cette façon-là en conventionnel. Donc, si j'avais des suggestions à faire pour faire ce genre de test-là chez vous, ce qui est possible, c'est de le faire bande contre bande. Pour réussir à détecter, il va falloir faire beaucoup de bandes. Donc, ça va être encore plus long pour vous de faire ces tests-là. Juste pour vous donner une idée, là, juste avant, là, j'ai sorti une base de données pour voir la variation sur le gain moyen quotidien d'un producteur. Donc, le même producteur, avec la même génétique, puis je voulais voir la variation que lui voit sans qu'il change de génétique chez lui. Juste l'eau après l'eau, c'est quoi la variation? Donc, on peut voir que l'eau, entre l'eau, il y a des producteurs qui ont des variations sur le gain moyen quotidien qui peut varier jusqu'à 80 grammes. Tandis que d'autres producteurs sont très stables. Ils ont la productivité comme c'est toujours là, stable, mais la majorité du monde, ils vont avoir déjà une variation de 40 grammes par jour. Juste sans rien faire de différent. Donc, imaginez si on veut comparer une génétique, on a déjà une variabilité qui existe, puis en plus, là, on veut essayer de détecter 15 grammes de différence, bien, on part déjà avec une variabilité de 40 grammes. Donc, ça va être très dur de détecter. Là, si on fait juste une batch contre une batch, puis on dit « Ah, c'était meilleur », bien, ça se peut que ça s'est fondé sur le hasard. Même chose pour l'efficacité alimentaire. L'efficacité alimentaire va avoir une variabilité de... normal de 12 points de conversion. Donc, c'est commun d'avoir, ce que ça dit, c'est qu'en moyenne, le monde a une variation de 12 points de conversion normalement chez eux. Puis là, après ça, on veut détecter une différence génétique de 3 à 8. Donc, encore une fois, si on fait juste une bande contre une bande, forte chance qu'on va prendre une décision qui va être due au hasard. Donc, c'est là l'important de faire plusieurs lots. Donc, c'est possible de voir cette différence-là, mais on va pouvoir fermer beaucoup de lots. Donc, ce que je suggère, c'est que si vous voulez vraiment le tester, avoir une décision chez vous basée sur votre recherche, bien, il va falloir que vous fassiez un lot contre un lot numéro 1 avec la génétique A, lot numéro 2 avec la génétique B, lot numéro 3 avec la génétique A, et ainsi de suite. Puis, il faudrait le faire au moins 20 fois. Pour être avoir de l'allure. Donc, ça va être comme 10 lots contre 10 lots. Ça commence à représenter quelque chose qui pourrait nous permettre de dire, ouais, OK, on voit que 80 % du temps, la génétique A battu la génétique B. Donc, il y a forte chance que ça ne soit pas dû au hasard, que c'est vraiment un effet génétique. C'est pour ça qu'il faut se fier
à des groupes un peu comme la nôtre qui fait de la recherche, plus de précision pour prendre ce genre de décision-là. Donc, c'est ça. Mais sinon, si vous voulez absolument tester ça chez vous, ben, ce que je suggère, c'est 20 lots. 10 lots contre 10 lots en alternance. Ensuite, juste un petit rappel, là, en engraissement, là, si cet été, vos cochons vont ressembler à ça, consolez-vous, il y a des solutions. Dans ce cas-ci, là, ça, c'est un engraissement avec un quart laté, trois quarts pas laté. Puis j'avais un de mes amis là, qui avait quasiment le goût de tout casser ça puis mettre ça full laté pour éviter ce genre de situation-là, d'avoir des cochons tout beurrés tout le temps. Donc, juste un rappel qu'on peut rajouter des buses. Ce n'est pas un investissement qui est énorme. Là. Parfois, dépendamment de la grosseur de l'engraissement, là, on peut facilement, là, pour 3, 4, 5 000 $ maximum là, pour les tuyaux, les buses, remédier à la situation. On met des buses dans le fond. On s'assure que c'est toujours humide sur les lattes du fond. Puis ça va faire en sorte que les cochons vont vouloir aller... c'est quoi le mot, là? Aller chier dans le fond. Ils vont vouloir aller mettre, faire leurs excréments dans le fond du parc. Donc, ce producteur-là, comme vous voyez, il l'a mis en place, il était super content, il m'a envoyé des vidéos, regardez comment c'est propre. Tous les cochons ont bien compris que, hop, faut dormir ou que c'est béton plein, puis aller faire le besoin dans le fond, ou que c'est laté. Donc, je voulais vous partager ça juste pour vous rappeler que si vous n'êtes pas full laté en engraissement, que ça peut être un outil qui fonctionne à faible coût avant de penser de tout casser puis tout recommencer. Là, ça, il y a d'autres solutions. Donc, pour ma part, ça ferait le tour. Ça ferait le tour, Dan. OK. Merci, JP. On va prendre des questions à la fin, mais j'en aurais peut-être une pour toi. Le hardbike que tu présentais au début, là, on a-tu beaucoup d'expérience avec? On commence à l'utiliser. C'est quoi ton feeling à date ou juste avoir ton feeling là-dessus? Oui, non, bon point. Là. Ça vient juste d'arriver au Canada. Ça a été développé là, aux États-Unis. Donc, c'est ça, je viens juste de commencer. Je n'ai pas beaucoup de producteurs, pour être honnête, qui ont des problèmes de mangeage de queue en ce moment. Donc, ça serait, si vous avez des problèmes chez vous, vous voulez essayer dans vos packs de malades, ben ça serait vraiment bien aussi qu'on s'échange pour juste valider là, que ça répond bien et tout. Mais pour l'instant, au moins, je voulais m'assurer que ce bloc-là, que ça coûte quand même 42$, je voulais m'assurer qu'il ne fondait pas à l'intérieur de 24 heures. Fait que c'est, au moins, il est durable, même que s'il y avait 100 cochons. Au moins, quelques points qui ont été validés, mais l'efficacité, on est au départ. Je fais confiance aux données des Américains en ce moment. Mais on est au stade explorateur en ce moment. OK, donc c'est un bon point de, tu sais, si vous êtes intéressé d'en prendre un ou deux, de l'essayer et donner le feedback là, à moi ou Jean-Philippe, à l'équipe, là, votre technicien, votre représentant, n'importe quoi. Donc c'est intéressant. C'est comme ça qu'on va, tu sais, sans faire de la recherche très scientifique, mais ça, c'est plus de l'observation puis un peu des commentaires des producteurs à ce niveau-là. OK, donc si vous avez des questions, posez-les sur le chat. On va revenir à la fin. J'ai quelques questions qu'il faut que je pose à Daniel, puis voilà, Jean-Philippe va pouvoir embarquer là-dessus. Je vais y aller avec ma présentation. Donc, de mon côté, je vais présenter un peu des nouveautés en maternité. Dans le fond, c'est juste pour revenir un peu sur des choses qu'on a parlé dans d'autres webinaires. Puis je veux juste officialiser les données qu'on a là-dessus au niveau recherche puis application commerciale. Donc, trois choses que je vais vous parler rapidement. Le Maprelin, Jean-Philippe en avait parlé à l'automne, mais là, on a vraiment complété nos essais là-dessus. On a des données et on veut commencer à l'utiliser ou à en faire la promotion. Les producteurs sont intéressés. Le top dress MISA PF, là, qui est un top dress péri-MISBA aussi qu'on a développé, où on a les données qui complètent un peu notre analyse du dossier. Et aussi le Phytovia vitis, qui est le polyphénol en lactation qu'on a testé, où on a les données complètes sur le test qu'on a fait avec les analyses économiques. Donc, le Maprelin, juste pour vous rappeler, bon, c'est une hormone synthétique là, qui induit, la GNRH est une hormone qui induit la relâche de la FSH et de la LH. Juste comprendre que la FSH, elle induit la croissance des follicules, donc elle rend les follicules plus gros, plus matures, et la LH, elle les relâche. Donc, ce qui est important pour qu'une truie soit fertile, c'est qu'elle ait des follicules, évidemment, mais aussi pour que les follicules se rendent à maturité, il faut que ces follicules-là soient assez matures pour être fertilisés puis continuer leur développement.
Donc, le méprenol est une hormone synthétique qui favorise le relâche de la FSH et non de la LH. Donc, ce que ça fait, c'est que ça fait maturer les follicules, mais que ça ne les relâche pas nécessairement. Le PG-600 fait la même chose au niveau de la FSH, mais aussi induit la relâche des follicules. Donc, les follicules peuvent être relâchés sans être nécessairement tout le temps matures. Donc, le méprenol, lui, il grossit les follicules, mais il suffit à l'action naturelle de la LH pour les relâcher par la suite. Ce qui peut avoir un effet intéressant, donc toujours des follicules prêts quand ils sont relâchés. Donc, le test qu'on a fait, on a fait un test sur plusieurs truies, au-dessus de 600 truies par traitement. Puis, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a une augmentation de 0,27 pour Solène et Toto. Bon, malheureusement, la valeur scientifique, au niveau de la valeur statistique, était à 0,22. On aime que ça soit à 0,1 et moins. Par contre, on retrouve quand même une différence qui est importante. Puis, je vais refaire l'analyse par parité à peu près après. Mais 0,27 pour Solène et Toto sur 600 truies, ça reste quand même intéressant. Puis, avec des tailles de portée qui sont quand même autour de 16. Donc, on ne partait pas avec une taille de portée qui était vraiment basse à ce niveau-là. Taux de mise bas, pas de différence. Intervalle sur l'injustus, pas de différence. Donc, le méprenol, la dose est de 2 ml. Okay? Le coût est à 1,75 2 ml. Donc, ça coûte à peu près 3,50 par truie sevrée. Okay? Donc, si on prend notre 0,27 porcelet, puis on prend la valeur de ces porcelets-là, on va avoir un retour, un bénéfice par truie de 19 à peu près, 19 $, un retour sur investissement de 5,4 à 1. Donc, 5 fois plus de retour que de dépenses. Donc, ça fait un produit qui est intéressant pour augmenter les tailles de portée. Par contre, ça dépend d'où on part. Si on a vraiment des grosses doses de tailles de portée, l'amélioration est peut-être moindre. Si on a des tailles de portée un peu plus faibles, ça va être un peu plus intéressant. Donc, ce qu'on a fait dans l'analyse, ce que Jean-Philippe a fait, c'est analyser les données par parité. Puis, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'effectivement, sur les parités 1 et 2, il y avait un effet plus grand et sur les parités 5 et plus aussi. Donc, on regarde ici, vous voyez là, la différence. Mais quand on regarde nos parités 3 et 4, qui ont des tailles de portée très, très bonnes, on n'a pas d'amélioration, même que la parité 4, il y avait une baisse de nez totaux. Sur la moyenne, on était à 0,27, mais si on regarde là, les parités 5, 6, 7 et plus, bon, 7 et plus, on n'a pas beaucoup dans le troupeau, mais c'est là qu'on voit la différence majeure, et sur les parités 1 et parités 2, où est-ce qu'on voit une différence aussi intéressante. Donc, est-ce que l'application peut être vraiment mise en phase sur les jeunes et les vieilles truies, si quelqu'un veut faire un peu de fine-tuning? Dans les fermes où on a commencé à l'utiliser, on le fait à large présentement parce que c'est plus facile à gérer. On va valider les données éventuellement à ce niveau-là. Mais si on cible vraiment les parités plus où il y a plus de bénéfices, le retour sur investissement va être encore meilleur. On continue à tester le produit pour différentes raisons. L'application sur les cochettes peut être intéressante. On ne l'a pas testé à date. On a un test présentement dans une maternité de 3000 truies en peuplement avec un de nos clients au Québec où il a utilisé le méprenol 48 heures après l'arrêt du régumate. Donc, il synchronise ses cochettes pour le peuplement avec du régumate. La moitié des cochettes ont reçu du méprenol 48 heures pour cibler un peu l'application au sevrage, pour voir si on a un effet sur les cochettes. Donc, on a des données présentement qui vont se cumuler à ce niveau-là. Super intéressant sur un troupeau de truies. C'est plus facile à faire sur un peuplement que sur un troupeau en rotation dû au nombre d'animaux. L'autre essai qu'on est en train de faire, là, qui se termine présentement, on a validé aussi la dose 1 ml pour voir si 1 ml était aussi efficace que 2 ml. Bon, évidemment, pour économiser un peu au niveau du coût. Aussi, dans cet essai-là, on va mesurer le point d'essence des porcelets. Quand on parle de maturation des follicules plus gros, est-ce qu'on est capable d'avoir un point d'essence supérieur en utilisant du méprenol? Donc, dans l'essai qu'on a fait, on a juste mesuré la taille de portée, mais là, on le fait dans une ferme de recherche de 1300 truies où on mesure aussi le point de naissance. Donc, on va peut-être avoir un gain à ce niveau-là qui va encore justifier l'utilisation du produit. Donc, on va avoir la dose et l'effet sur le point d'essence. Le produit est exclusif présentement au Québec à Demeter. On l'a disponible. On avait des problèmes un peu d'approvisionnement en termes de ça vient des États-Unis, puis il y avait la production, mais on a du produit disponible. Donc, si vous êtes intéressé, parlez à votre vet chez Demeter, parlez à moi ou Jean-Philippe, et on va regarder avec vous pour l'application. Deuxième concept, c'est le top dress Perimisva. On l'appelle Misa PF pour Pre-Farrow, parce qu'on voulait l'avoir un peu bilingue pour notre gamme de produits avec nos partenaires dans l'Ouest et en Ontario. Donc, c'est une approche pour réduire le pourcentage de mort-nez, donc améliorer la mise bas des truies. Un peu le concept emprunté aux vaches laitières là, avec les rations de transition. Pour ceux qui connaissent un peu le domaine, ils font des rations à ioniques acidifiées pour réduire l'hypocalcémie. Donc, on parle de balance cation-anion. On joue avec les minéraux au niveau de la transition avant la mise bas. Aussi, on ajoute un laxatif, des sources d'énergie, aussi un peu d'extrait de yucca pour favoriser la possibilité d'oxygène au niveau des porcelets utéraux. Donc, c'est un peu un mix de tout ce qu'on pense qui doit marcher autour de la mise bas pour favoriser la mise bas et réduire les mort-nez. La dose est de 80 g par truie par jour pour plus ou moins 16 jours avant la mise bas.
idéalement 4-5 jours. On rentre les truies à ce moment-là en mise bas, donc on commence vraiment quand on rentre les truies en mise bas. On a fait 4 essais, donc quand même une bonne base de données. Et un des essais qu'on a fait, on a suivi la performance des porcelets. Sur les 4 essais, on a suivi la taille des portées, évidemment, ni toto ni vivant mort-né. Mais un des essais, on a aussi suivi la performance des porcelets pour voir s'il y avait un effet sur la qualité des porcelets ou sur la croissance des porcelets durant la lactation. Donc, le combiné de tous les essais qu'on a fait sur 1200 truies, on a obtenu une réduction de mort-né de 0,17. Donc, deux des 4 essais étaient plus autour de 0,20 à 0,30. Un essai était autour de 0,12, 0,13 et un essai était à 0,09. Donc, la moyenne est à 0,17. Donc, on a encore là de la variation. Là. Par contre, la moyenne à 0,17, quand on fait l'analyse, ça sort significatif, évidemment, sur le nombre de truies qu'on avait. Si on prend les momifiés mort-nés ensemble, on est à 0,22. Bon, des fois, moi, j'aime ça faire les deux parce qu'au bout de la ligne, c'est le nombre de vivants augmenté qu'on veut avoir. Puis souvent, les gens peuvent confondre des mort-nés et des momifiés en fin de gestation. Donc, on combine les deux, on arrive à 0,22 porcelets supplémentaires par portée. Et en termes de pourcentage de mort-nés momifiés, c'est 1,2 % de réduction. Dans l'essai 503, le dernier essai qu'on a fait, je mentionnais qu'on a suivi les porcelets de la naissance jusqu'au sevrage. Et dans cet essai-là, on a eu moins d'effets sur les mort-nés, mais un effet sur le gain de portée. Les porcelets étaient 250 grammes plus pesants et c'était hautement significatif. Donc, est-ce que la truie, en ayant, c'est un peu le concept dans la vache laitière, pas d'hypocalcémie, meilleur départ en lait, meilleure croissance des porcelets, on ne l'explique pas vraiment de façon claire, mais il y avait un effet dans cet essai-là sur le poids de porcelets au sevrage. J'ai fait un peu l'analyse par les parités. Encore là, juste pour voir s'il y avait des parités qui avaient plus d'effets. Bon, les parités 1 avaient un effet plus grand et les vieilles truies, bon, ce qui n'est pas nécessairement surprenant parce qu'on a plus de mort-nés chez les truies âgées, mais on voyait que les parités de 5, 2 à 6 avaient un peu moins de mort-nés momifiés. L'avantage était un peu moins grand, restait à 0,17 total, tandis que les P1 et les P7 et plus avaient plus d'avantages à ce niveau-là. Au niveau économique, ce n'est pas compliqué. Si on prend le nombre de porcelaines et vivants et qu'on en sauve 85 %, on s'amorce avec 0,46 porcelets par truie par année, sevré de plus. À 40 $ du porcelet, c'est à peu près 18 $ par truie par année. Le coût du produit est à peu près à 2,45 $, 2,50 $ par truie par année avec une dose de 400 grammes par portée, là. 5 jours fois 80 grammes à 2,45 portée par truie par année. Donc, un retour de 7,5 sur 1, donc 7 à 8 sur 1 pour le retour sur investissement, ce qui est excellent pour ce genre de produit-là. Le poids de sevrage, si on est capable de le valider dans d'autres essais ou si vous êtes capable de l'observer, ça ne prend pas beaucoup aussi pour améliorer le retour sur investissement. Donc, c'est un produit qui peut être très intéressant, facile d'application. C'est un top dress, on donne ça à la mise bas, 80 grammes. On fournit une petite coque quand on vend le produit pour les premières fois au client, là, pour une mesure qui est assez égale. Donc, c'est facile d'appliquer le produit, c'est facile à tester. Il n'y a pas d'effet négatif. Donc, si ça marche chez vous, tant mieux. Si ça ne marche pas, c'est pas plus grave que ça, mais on a des tendances à voir que ça peut améliorer justement les nez vivants. Dernier petit concept, c'est le phytoviolitis en lactation. C'est un polyphénol. C'est un extrait de concentré de pépins de raisin. Les polyphénols sont très à la mode dans l'alimentation humaine, mais aussi dans l'alimentation animale. Donc, beaucoup de produits à base de thé, de romarin, d'herbes, la forêt boréale. Bon, les extraits de pépins en font partie, là, donc je ne parle pas des autres produits, je parle du produit qu'on a testé. C'est des composés bioactifs, les polyphénols, qui ont des effets anti-inflammatoires, anti-allergènes, immunostimulants. Donc, quand même des effets assez larges, mais ce que ça donne, sur le cochon, c'est l'intérêt qu'on a à faire des essais. Il y avait un test qui avait été fait sur les vaches laitières, où on avait vu une augmentation en Europe, là, de l'augmentation des IgG au niveau du cholestérol. Donc, c'est un peu ça qu'on voulait vérifier chez la truie à lactation. Puis, s'il y avait un effet aussi du système antioxydant pour protéger les animaux sur les stress oxydatifs. Donc, la dose est de 150 grammes à la tonne durant la lactation seulement. Donc, on a fait l'essai. Pas de différence au niveau des tailles de portée, mais ce qu'on a vu de façon significative, c'est une augmentation de 350 grammes du poids de sevrage. Okay? Ce poids de sevrage ajusté à 21 jours est amélioré de 350 grammes, hautement significatif. Le poids de portée, évidemment, amélioration de presque 3-4 kilos de poids de portée. Puis je vous mentionne qu'il n'y avait pas de différence entre consommation et perte de poids. Donc, les truies ont sevré des porcelets plus gros, plus de taille de portée, plus de poids de portée, sans perte de gras et de poids de façon plus grande que les truies du groupe témoin. Donc, c'était vraiment par l'amélioration du lait ou quelque chose qui se passait. Ce n'était pas que la truie qui se donnait plus pour produire plus de lait. On a préservé les conditions de chair des truies et la consommation était la même. Donc, c'est vraiment quelque chose au niveau du lait qui s'est passé pour améliorer le poids de sevrage des porcelets.
Ce qui est intéressant dans cet essai-là, c'est qu'on a mesuré beaucoup de choses. On a mesuré le cholestérol des truies, on a prélevé du cholestérol chez les truies de façon, c'est du travail. On est au-dessus de 100 échantillons de cholestérum prélevés, et aussi les prises de sang sur les porcellos au sevrage. On a mesuré les immunoglobulines, la GPX, qui est la glutation peroxydase, qui est un indice du statut antioxydant de l'animal, là, la protection au niveau des stress oxydatifs, les vitamines, etc. Les analyses ont été faites par l'Université Laval, ici à Québec. Donc, je présente un peu des résultats rapides, juste pour prouver que, au-delà des performances, on a eu des mesures assez intéressantes. Au niveau du cholestérum, on a mesuré le BRICS. Donc, ça, c'est une mesure de densité du cholestérum. C'est un petit système où on met une goutte, on le regarde via les lunettes. Puis on a vu qu'il y avait une amélioration du BRICS de 1,4 points avec les truies. Les NG, c'est les truies Phytoviovitis. C'est passé la traduction en européen du produit en Europe, là, parce que ça a été fait par les Européens, ces slides-là, les partenaires de l'essai. Et juste pour vous dire qu'on a la densité du cholestérum qui est plus élevée, ce qui semble indiquer une meilleure concentration en IgG. Donc, on a mesuré les IgG dans le cholestérum. Malheureusement, au niveau significatif, on n'a pas vu de différence. Une petite amélioration de 1,2% des IgG. Donc, on l'a vu sur le BRICS, mais quand on a analysé les IgG du cholestérum, oui, 1,2%, ce n'est pas significatif, mais quand même une augmentation. Par contre, ce qu'on a vu, c'est quand on regarde les quantités d'IgG dans le cholestérum par catégorie, 0 à 80, 80 à 100 ou 100 et plus, on a augmenté le nombre de truies qui avaient des niveaux d'IgG plus grands que 100 dans le cholestérum. Et puis, ce qu'on faisait mention aussi, c'est que la moyenne d'IgG qui était autour de 90, c'était excellent. Donc, le cholestérum des truies était excellent déjà. Parce qu'il y a des données qui montrent que les IgG dans le cholestérum sont souvent plus basses que 75-80 mg par millilitre. Donc, on avait un cholestérum qui était déjà riche. Donc, de l'améliorer au-delà de ce qu'on avait était probablement un peu plus difficile. On a mesuré aussi les IgG dans le sérum des porcelets, donc dans le sang. On a augmenté de 10 % les IgG. Encore là, ça n'a pas sorti significatif, mais l'augmentation de 10 %, c'est quand même intéressant. Encore là, les IgG des porcelets étaient assez élevés, donc le potentiel d'amélioration était un peu limité, mais c'était quand même intéressant. Puis ce qu'on a vu aussi, c'est qu'on a shifté le nombre de porcelets qui avaient un IgG de 65 mg et plus là, dans leur sang. Donc, on a réussi à améliorer la proportion de porcelets qui avaient plus d'IgG au niveau sanguin. Donc, on a amélioré le cholestérum au sevrage de façon vraiment minime, pas significative, chez le lait de la truie, c'est-à-dire, et au porcelet de 10 %. Donc, rien de spectaculaire parce que statistiquement, ça n'a pas sorti significatif, mais quand même des tendances intéressantes. Au niveau de la vitamine, ça a été intéressant. On a vu une amélioration de vitamines A, C et E. Surtout au niveau de la vitamine E, ça, c'est encore là, c'est dans le sérum des porcelets au sevrage. 87 % de plus de vitamine E, ça a sorti à 0,1 et moins, donc une tendance significative assez forte tant qu'à moi. Vitamine A et C, 15 % pas significatif. Donc, si on regarde la tendance globale, c'est 47 % d'amélioration au niveau de la somme de ces trois vitamines-là. Donc, meilleure capacité vitaminique antioxydante, car toutes ces vitamines-là jouent un rôle au niveau du système antioxydant, surtout la vitamine A et la vitamine C, évidemment. Donc, quand même un avantage à ce niveau-là. Ce qui est intéressant, c'est la glutation peroxydase, qui est un autre indicateur du statut antioxydant, ce qu'on a amélioré de 28 % au niveau du sérum des porcelets au sevrage. Là, ça a sorti significatif, OK, de façon majeure au porcelet au sevrage, 28 %, puis au cholestérum dans le premier tableau aussi. Donc, on a amélioré la quantité de glutation peroxydase dans le cholestérum de la truie et au niveau des porcelets. Donc, ça s'est transmis au niveau des porcelets. Une amélioration de 28 % des deux côtés, ce qui est assez intéressant. Donc, le statut antioxydant des porcelets, de par leur cholestérum qui était plus riche, s'est amélioré à ce niveau-là. Donc, au-delà des performances, on améliore le statut antioxydant des porcelets. C'est tout ça qui permet d'avoir un meilleur poids de sevrage. Ça confirme un peu l'effet bénéfique qu'on a eu sur le poids de sevrage, évidemment. Donc, le coût est à peu près de 11 piastres par tonne de moulée en lactation. Donc, par truie par année, une truie va manger 350 kg de moulée lactation. Donc, ça coûte 3 piastres et 80. Juste l'augmentation du poids de sevrage donne un revenu supplémentaire de 26 à 37 piastres par truie. Donc, le poids de sevrage se traduit par un poids à la fin de poignard, à la fin d'engraissement supplémentaire, évidemment. Donc, on parle de 26 à 37 piastres par truie pour un investissement d'à peu près 3 piastres et 80. On parle d'un retour sur l'investissement de 6 à 10 pour 1. Donc, quand on parle de retour de 5 à 10 pour 1, là, c'est super intéressant. On l'ajoute, évidemment, dans la moulée lactation seulement. On peut faire un micro spécial pour le client où on a une dilution de 15 % qui permet qu'avec 1 kg à tonne, on retrouve notre 150 g de phytoviovitis dans la moulée. Donc, ça fait le tour de mes points par rapport aux truies. S'il y a des gens qui ont des questions, gênez-vous pas pour les envoyer sur le chat ou le Q&A surtout. Donc, Daniel puis Jean-Philippe, je leur demanderai de revenir, s'il vous plaît, live avec nous.
Merci. Oui. Fait que Daniel, j'avais une question pour toi que je ne t'ai pas posée tantôt, puis j'espère que tu as la réponse, mais je ne pense pas que tu vas l'avoir clairement. Quelle est la part de la génétique dans les problèmes de prolapse? Eh mon Dieu. Je te dirais que l'impact n'est pas... on le retrouve partout, hein? C'est un problème généralisé dans l'industrie. Moi, je n'ai pas de raison de croire qu'il y a vraiment un gros impact de la génétique à ce niveau-là, pour être bien honnête avec toi. Ce qu'on observe plutôt, c'est beaucoup d'autres facteurs qui sont impliqués là-dedans. Il y a beaucoup d'études qu'on fait chez PIC pour essayer de comprendre la nature de ce problème-là, mais il n'y a rien à date qui nous amène à croire que la génétique puisse être impliquée. Par exemple, la prolificité des trucs plus grandes, les poids plus élevés des porcelaines à essence. On n'a pas vu ce genre de relation-là. Il y a des problématiques qu'on observe dans l'industrie aujourd'hui qui sont généralisées et puis qui sont sous étude actuellement. Je ne suis pas nécessairement le spécialiste pour vous parler de ça, puis possiblement que si c'est un élément qui serait intéressant, j'aurais des bons contacts pour que les gens puissent en discuter en long et en large. À ta question, je te dirais, bien simplement, bien candidement, c'est pas la première chose à regarder. La seule chose que je vois, que moi j'ai vue dans ma carrière, qui est vraie, c'est vraiment l'effet de l'angle pelvien qui peut avoir un impact. C'est-à-dire que des génotypes d'animaux qui ont des membres un petit peu plus par en dessous, il y a une pression naturelle qui s'exerce, qui est plus grande au niveau des muscles, autour du vagin, puis ça peut amener une incidence plus élevée de prolapse. Au-delà de ça, j'ai jamais rien vu. J'ai jamais rien vu de spécifique. Mais je pense que le problème multifactoriel, là, souvent. Là. Donc, est-ce que la génétique en fait partie? Bon, on peut toujours argumenter là-dessus. Si on a des dérapes au niveau gestion, régie, peut-être que certaines génétiques ou certains animaux peuvent nous donner moins de buffer, des fois. Mais ça reste des problèmes multifactoriels souvent. Donc, c'est un problème multifactoriel, mais la génétique est vraiment difficile à identifier. Puis si c'était vraiment un problème génétique, on le retrouverait possiblement plus dans certaines génétiques que dans d'autres. Ouais. Alors que quand on l'observe, il y a des semaines qu'on peut en observer beaucoup, puis il y a des semaines qu'on en observe peu. Il y a un paquet de facteurs qui interviennent dans tout ça. Question, ben, j'avais un petit commentaire qui est tombé sur le chat aussi de ton papa, là, JP. Il disait que les blocs, après 24 heures, c'est très résistant. Là. Donc, c'est très résistant, mais qu'après peut-être une journée ou deux, ils se calment. Ils l'ont trouvé, puis peut-être que c'est une bonne affaire. S'ils vont moins après le bloc, ben, ils ont peut-être moins tendance à manger à la queue du voisin. Là. Mais bon, des observations comme ça, c'est ça qu'on cherche avec le produit. Question concernant encore l'amélioration génétique. Est-ce qu'au niveau de la viande, est-ce que ça va aller aussi vite que la volaille? Tu sais, la volaille, il y a eu des améliorations génétiques exponentielles. Daniel, est-ce que dans le porc, tu vois que le potentiel de génétique suit ce qui se fait dans la volaille ou on n'a jamais été capable d'être au même niveau? Tu parlais que ça va continuer à s'améliorer peut-être de façon exponentielle même, mais est-ce que tu vois ça, quel niveau tu vois en ça? En fait, c'est une excellente question, mais j'ai amené dans des présentations que je fais, je mets souvent une photo d'un poulet à côté d'un cochon. Puis, une des raisons pour que je dis ça, c'est que le porc qu'on produit aujourd'hui, quand on regarde une de mes diapositives où on montre des cochons qui font des conversions de 1,7 là, dans le top 10%, là, c'est des conversions de poulet d'il y a 25 ans. Fait que la réponse, c'est qu'au niveau de la viande, si on regarde la quantité de viande qu'on produit par unité de temps avec un cochon, moi, quand j'étais jeune, ça prenait 6 à 7 mois pour faire un cochon de 180 livres. OK? Aujourd'hui, on peut faire un cochon de 130 kilos en 5 mois. En 300 livres. Fait que la réponse à la question, c'est que oui, on tend vers ça, mais sauf qu'on ne peut pas comparer un poulet avec un cochon. Mais en termes de quantité de viande produite, là, on voit que dans la même unité de temps, on en produit pas mal plus qu'on en produisait. Okay. Merci. Question concernant le Phytovia vitis. Là, oui, on a pas suivi la question est-ce que le gain de poids s'est traduit jusqu'à la fin d'engraissement. On a suivi les porcelettes 2-3 semaines après la poignière et oui, le gain de poids s'était maintenu. Donc après ça, on n'a pas suivi les porcelettes jusqu'à la fin d'engraissement dans ce test-là. Mais moi, au minimum, la 350 grammes se poursuit et des fois, il y a un effet multiplicateur qui se fait. Mais dans mes analyses économiques, j'ai pris le 350 grammes au minimum qui se traduit jusqu'à la fin. Mais peut-être que c'est plus que ça. Mais oui, parce que c'est vraiment une meilleure... C'est pas juste des cochons bourrés au lait, là. C'est des cochons qui sont en meilleure shape, là, je pense, au sevrage à ce niveau-là.
Bon, Daniel, monocle des génétiques, hernie génétique, encore des questions, Daniel, sur l'effet de ces défects-là, de ces défauts-là qu'on voit en production, les monorchides, les hernies. Est-ce qu'il y a des liens génétiques? Il y a des liens individuels par verra, je pense, des fois, ça a été prouvé, ça, là, que des verras peuvent donner plus d'hernie, mais est-ce qu'une génétique en particulier en donne plus qu'un autre? Bon, écoute, une bonne question, parce que dans le fond, quand je parlais de robustesse, j'en ai fait allusion un petit peu au début de la présentation. Dans la robustesse, on inclut le contrôle des maladies à incidence économique. Puis des anomalies à incidence économique, on peut parler d'hernie scrotale, on peut parler de cryptorchide, on peut parler d'hernie ombilicale. C'est les principales qu'on observe qui ont une incidence économique. La réponse, c'est que oui, il peut y avoir une prévalence génétique à ça. C'est pour cette raison-là qu'un indice spécifique pour chacun de ces critères-là qui était inclus dans l'indice PIC, et donc je ne vais pas parler, je ne vais pas chercher à exploser le nombre de caractères mesurés, parce que j'aurais rempli des pages, j'aurais confondu les gens, mais oui, il est pris en considération, puis ça fait partie de l'amélioration de la robustesse en général sur laquelle on travaille. OK, c'est bon. Ben, je pense que ça fait le tour. On a 1h20 de fait sur le webinaire. Merci beaucoup, Daniel. Les questions vont être répondues là, de façon sur le Pink Channel. Donc, vous allez pouvoir vous référer à ça. On a des réponses. C'est Daniel, ce que tu as dit, on a déjà répondu. Mais s'il y en a d'autres, on les répondra par après. Là, ce n'est pas un problème. Bon. Merci tout le monde. Il y a les prix de présence qu'on va tirer la semaine prochaine. Prochain webinaire au mois de juillet. Merci à nos commanditaires. Merci à PIC encore une fois d'avoir participé et de sponsoriser l'événement. Les conférences vont être disponibles, enregistrées par la suite. Merci à nos partenaires qui nous supportent là-dedans. Et je vous souhaite à tous et chacun une bonne fin de semaine. Profitez du soleil s'il y en a un peu. Et on se reparle éventuellement. Bye-bye tout le monde. Merci.